Un jeune homme, Giddy Katz, est l'un de ces pilotes de chasse dont le silence est la plus grande arme. Il maîtrise cet art avec une habileté sans pareil et il sait parfois d'un regard remettre à sa place ses adversaires qui cherchent à obtenir de lui une information ou qui veulent l'entraîner dans un conflit. Son silence veut tout dire et il n'y a rien à ajouter. Son commandant ne manque jamais une occasion de le louer et inciter ses camarades à prendre exemple sur lui. Et il répète sans arrêt que Giddy est né pour être pilote et que c'est certain. Il va prendre sa place un jour. Et c'est grâce à son silence qu'il gravira les échelons de l'armée de l'air. Lorsque le RAF de l'armée, Shaul Dror, annonce aux soldats de l'aviation qu'un voyage est organisé dans les camps de concentration en Pologne, une étincelle de curiosité s'éveille dans le cœur de Giddy Katz, qui se transforme finalement en un feu dévorant. Il se met à lire de nombreux livres sur la Shoah. Et il réalise qu'il ne s'est jamais approché de l'immensité de cette tragédie. Sa mère, Ahuva Katz, est fille de parents de rescapés de la Shoah. Sa grand-mère, Brunroya Werker, a miraculeusement survécu mais a perdu ses parents. Elle est montée en Israël, la guerre, en tant que jeune femme, jeune fille orpheline. Vous comprenez maintenant que d'où vient le mutisme de Giddy Katz à ce propos. Chez lui, personne n'a évoqué une seule fois le sujet de la Shoah. Même sa grand-mère, Brunroya, ne fait jamais la moindre allusion à ses souvenirs en tant que petite fille dans l'enfer nazi. Giddy Katz est le premier à s'inscrire. Et finalement, quelques 400 soldats de l'armée de l'air israélienne participent à ce voyage vers la Pologne. Giddy se tient tout au long du voyage aux côtés du RAF de l'armée Shaul Dror et boit chacune de ses paroles. Il passe d'un camp à l'autre, horrifié par ce qu'ils observent. Des tas de tresses, de chaussures, de cheveux. Les soldats sont effrayés devant ce système d'extermination froid et systématique entre les barbelés, les hauts murs, les ombres des camps de l'horreur. Le jour de Shabbat, les 400 soldats de l'armée de l'air sortent de leur hôtel sans aucune exception et se dirigent en file indienne en direction de la grande synagogue de Varsovie. Giddy tient dans sa main son sidour, il tourne les pages, mais les mots qu'il prononce lui paraissent étrangers. Le kaddish n'a jamais encore fait vibrer les cordes de son cœur. Giddy est plus renfermé que jamais. Il sent que sa tête tourne comme quand il est en plein looping dans les airs. Il est resté muet durant tout Shabbat. Le lendemain, lorsque les soldats pénètrent dans le camp de la mort de Shtetov, le dernier de la liste, Giddy ressent une agitation intérieure inexplicable. Quand le Rav Shaul Dror se met à sonner du chauffard devant le portail du camp, il quitte soudain le groupe et se met à marcher rapidement vers les baraquements. Ses jambes le mènent malgré lui vers les chambres à gaz. Il regarde à l'intérieur et son corps se met à trembler. Il sort, il observe les ignobles fours crématoires. Puis il se sent poussé par une envie bizarre de danser. Oui, de danser. Dans sa poche se trouve un petit livre de Tehilim que le Rav de l'armée lui avait donné. Il l'attrape, il le tient fermement entre ses mains et se met à sauter, à lever les bras vers le ciel, à se pencher, à se relever, emporté par la danse. Il ne manque qu'un orchestre pour l'accompagner. Giddy Katz, qui est toujours enfermé dans son silence de glace d'habitude, il se met à fredonner un chant juif qu'il avait appris petit dans un mouvement de jeunesse. Sissou ve simchou ve simcha Torah. Utnu kavod la Torah. Tout en continuant à danser, il se dit qu'il est devenu fou. Il danse avec un livre de Tehilim en train de chanter un chant juif devant des chambres à gaz et des fours crématoires. Heureusement que personne ne le voit. Et soudainement, il ressent le besoin de téléphoner à sa maman. « Maman, je me trouve au camp de Shtetov et ne me demande pas pourquoi, mais j'ai eu envie de danser devant les chambres à gaz avec mon livre de Tehilim. » Sa maman lui dit de téléphoner à sa grand-mère et de lui dire où il se trouve exactement. Et il raconte à sa grand-mère « Grand-mère, Brunroya, nous n'avons jamais parlé de la Shoah ensemble, mais je voudrais te raconter quelque chose d'incroyable qui m'est arrivé. Je me trouve au camp de Shtetov, à côté des fours crématoires, et je me suis soudain senti poussé par une envie incontrôlable de chanter, de danser avec mon petit livre de Tehilim à la main. Comme si j'étais un juif du shtetl, du ghetto. J'ai l'impression d'être si proche de tous ces gens qui sont morts. Et sa mère lui apprend qu'elle est rescapée du camp de Shtetov. Elle y a vécu 4 ans d'enfer, elle a perdu son père et ses deux sœurs dans cet endroit maudit. Et après un bref silence, elle lui explique la raison de sa danse. Gidon, tu me racontes que tu chantes et tu danses sans comprendre pourquoi. Je vais te l'expliquer pourquoi. J'étais une enfant de 8 ans, quand les monstres nazis ont traîné mon père et avec lui 9 autres prisonniers juifs, pour qu'ils évacuent les corps des chambres à gaz et les mettent dans des fours crématoires. Je les observais entre l'interstice du baraquement numéro 121. Papa et ses amis d'infortune, des juifs portant une barbe et l'habituel béret des travailleurs, d'une maigreur incroyable, traînaient difficilement leur corps et avançaient sous les coups de fouet des tortionnaires. Ce supplice se prolongea de longues heures jusqu'au coucher du soleil. Dès que les étoiles sont apparues dans le ciel alors que les gardes nazis se tenaient à côté du feu, mon père s'est mis à crier d'une voix forte « Mes chers frères juifs, aujourd'hui c'est Simchat Torah !» Nous devons danser avec notre Sainte Torah.
Mon père a sorti de sa poche une feuille d'un livre des Tehillim et très vite, une ronde s'est formée et les Juifs se sont laissés entraîner dans un chant fougueux. Sissou vesimchou vesimcha Torah. Utnu kavod la Torah. Utnu kavod la Torah. Sissou vesimchou vesimcha Torah. Utnu kavod la Torah. Sissou vesimchou. Ces Juifs squelettiques et misérables ressemblaient à des anges dansant et chantant sous les yeux de l'ange de la mort. Mais ça s'est très mal fini, mon cher Guidi. Les nazis leur ont tiré dessus et eux aussi ont été jetés sans pitié dans les fours crématoires. Ça a été la dernière fois que j'ai vu alors mon père, lui raconte sa grand-mère. Et tu sais, Guidi, tu as été nommé comme lui, Guidon. Tu as dansé exactement au même endroit, sur la même parcelle de terre sur laquelle ton arrière-grand-père, que son âme repose en paix, avait dansé. Mon cher petit-fils, tu as terminé la danse qu'avait commencé ton arrière-grand-père. Et sa grand-mère Bourouya essuie ses larmes et Guidi Katz, le pilote austère et silencieux d'habitude, ferme les yeux. Il appuie contre le mur près de lui et croit entendre un chant s'élever, ce même chant fredonné par les Juifs de Shtetov, morts en martyr. Sissou vesimchou vesimcha Torah. Utnu kavod la Torah. Il a dansé à l'endroit exact où son arrière-grand-père avait dansé et avait ensuite rendu son âme pure à son créateur. Guidi se tient tout proche du four crématoire et murmure « Grand-père, grand-père, je m'apprête à prendre mon envol de l'endroit dans lequel ils t'ont enterré. » Ses yeux étaient inondés de larmes à Guidi et quelques jours plus tard, sous le regard ébahi de son commandant, Guidi présente sa démission. Il lui dit « Ce voyage a été le plus significatif de ma vie, le voyage vers mon peuple, vers mon passé. Je veux rejoindre le dévouement extraordinaire de mon arrière-grand-père qui a dansé devant les fours crématoires. » Pour Simchat Torah, je veux poursuivre le voyage qu'il n'a pas pu achever. Je veux faire Teshuvah. Je veux me rapprocher de Dieu. Je veux faire partie de la grande lignée de ma famille. Lorsqu'on raconte une histoire comme ça, je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Shabbat Shalom.